Hey, salut tout le monde, c'est Brice, on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode numéro 25 de notre Let's Play sur Pokémon Pearl Randomizer. Donc j'espère que vous allez tous bien. Du coup la dernière fois nous sommes arrivés à Rivamar et nous avons fait aussi la petite personnalisation de nos Pokéballs, de notre affaire Pokémon. C'est un peu de mal à parler mais c'est pas grave. Et là on voulait voir si on peut aller à l'arène. Ah, on peut pas y aller. Hey, salut, il n'est pas encore revenu. Hein. Ah, faut qu'on aille au phare, hein, du coup. Parce que je m'en souviens. Hop. Et il y a le rocher ronflex ou gonflex, comme vous voulez. Du coup, le phare est là. Hop. Et on sort. Hop, et on va parler au champion. Voici donc le dresseur qui veut conquérir la reine de Rivamar. J'ai pris ma décision. Si je te bats facilement, je me lancerai dans la Ligue Pokémon. J'ai fini la rénovation de la reine, donc... ok. On va pouvoir se battre contre l'ultime et dernier champion de Sinnoh. Ma foi. Attendez juste de mes éclairages qui servent à rien. Hop. Ouais. Franchement c'est cool hein. C'est cool qu'on arrive enfin à la dernière arène. Hop. Hey, l'artiste il est revenu. Allez, c'est parti. C'est parti pour le combat. L'ultime badge qu'on pourrait obtenir. Hop. Bon bah du coup, on va pas les parler. Tout ça, rien. Ah. D'accord. Je comprends, c'est un Whistler. Ok. C'est un petit Whistler quand même, le champion. Oh le Death Steel. Ok. Bah why not. Oh tu as goûté un Hydroblast. Pardon. Il a résisté. Eh ben. Il avait résisté à une attaque. Ok. Voilà. Vous en pensez quoi de cette arène avec les énigmes et tout ça? Hop. C'est assez casse-tête. Hein. Un Onyx. Un racaille plutôt. Hop. Hop. Et du coup on passe par là. Si j'arrive à passer bien sûr. Bien évidemment. Typhlosion. Et Hydroblast. Ah, c'est quand même pété d'avoir cette attaque. Yo, 48. Hop. On va mettre Motisma un petit peu. On va voir ce que vaut Motisma. Et les cendres. Motisma. Tonnerre. Voilà. Tropius. Ouais. Voilà. Hop. Oh là, il se fait plaisir. Miaus. Total foudre. J'ai raté. Et voilà. Du coup, il fait une petite attaque sur ta foudre, sur une miaouse. Pour rigoler. Hop.
Le feu revenant. Et voilà. Hop. Bon. Maintenant, faut qu'on passe par ici. Hop. Ah ouais, il y a beaucoup de dresseurs dans cette arène. Latios. Pardon ? D'où il a assez me toucher de colère. D'où il a assez me toucher de colère. Moi, pas avoir compris. Voilà. Nickel. Hop. Oh non, encore un combat. Il y en a combien de dresseurs? Click note. Faut pas utiliser cette attaque. Voilà. Et eh ben c'était comme ça. Et ben voilà. Prince de Guerrier qui monte au niveau 48. Et voilà. Hop. Hop. Que pourra. C'est vrai, je suis endormi. Merci de m'avoir réveillé. Quoi ? Ah. Lui, il est plus rapide. Content à la fois 5ème mort. Voilà quoi. Juste envie de vous dire ça. Et nous y voilà. Oh champion de Rivamar. Tu viens me défier. D'autres dresseurs viennent me défier de temps en temps. Mais ces combats ont été ennuyeux et la victoire très facile. Je suis ton guide, le champion d'arène. Et oui, le final, le dernier champion. Merde, j'ai oublié de régène. J'ai oublié de ressusciter mon petit... Mon petit Matisma. Super, l'attaque qui voit rien. Hein. Le pauvre Kyogre. Juste essayer le spatio de Dialia.
Mais vous imaginez la Space Rift plus sur l'OTAN. Pour être pas mal. Deux PV. Waouh. Efficacité redoutable. On va faire Space Rift. Ouais, ça fait que ça. En même temps, je suis au même level que lui. Peut-être qu'il a pas une très bonne défense. Ouais. Écrase-face. MDR. Il a écrase-face. Ouais, vas-y. Ouais. Castor, nous, on va mettre Motisma. Et voilà. Ni pas qu'il a que des Pokémon de type O. C'est vrai, le Pokémon de type O, si j'avais Rez Motisma, ça aurait été bon, mais là... Ça la mèche. En vrai, moi, c'est galique. Pour rire. Pour dire, hey. Allez, force. C'est quoi son plus puissant? Est-ce qu'on l'a battu son plus puissant? Je pense pas. Il me semble dans mes souvenirs son plus puissant est niveau 50. Il a résisté. Ouf. Mais il a quand même mis PV. Oh. Avec vos critiques. C'est bien lui. J'ai hésité avec l'autre là, son évolution. Je me rappelle plus de son nom, mais je croyais rester. Merde, aidez-moi, c'était quoi le nom de l'évolution d'Aragdo? Je me rappelle plus. Allez, Iron Blast. Je fais mal quand même ces demi-tours. C'est un pseudo Lugia. Et voilà. Et voilà. Hé hé. Je m'étais pas autant amusé depuis longtemps. Et nous avons notre badge phare. Nickel.
Et nous avons la CT 57. Voilà. Qui est rayon chargé. Et voilà. Et nous avons tous nos badges. Et on va aller soigner nos Pokémon. Et après ça sera la route victoire qui nous attend. De souvenir, elle a un peu casse-tête. Là, il va me falloir avec la troc aussi. J'ai qui avec la troc déjà dans le PC. Est-ce que je dois l'utiliser? Ouais, je crois que c'était ma griffe. C'était ma griffe. Bah, je vais laisser... Merde, les capsules. Fuck! Oh bah tant pis, je vais prendre quelqu'un avec la troc. Hein. Pire, j'en ferai son set d'attaque en off. Tant pis. Mais je suis pas sûr qu'il faut avec la troc. Je sais qu'il vaut force. Puis cascade. Je suis Jasmine, je suis championne d'arène. Et voilà, nous avons la CS et cascade plutôt. La CS cascade. Et bah du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode de Pokémon Pearl Randomizer. Donc j'espère que ça aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire et un partage. Et sur ce, on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao ciao.